J'ai un pote, il avait pas compris, le Claire B, il n'avait fait que les scénarios. Ah, c'est dommage. C'est très dommage, parce qu'en fait, il a fait que la moitié du jeu dans les deux cas. Du coup, on va passer au scénario de la Clairette de Die. Wick. Et ça va être très chiant parce que là nous allons avoir Mr. T avec nous qui va nous suivre. Ça va suer de l'arrêt. Allô? Tu es morte, PlayStation 2? Non. C'est pas trop mal, B, tu l'as pris de chill. Oui, bah oui, c'est clair que je l'ai pris de chill, mais ça c'est clair. Pas clair tout ça. Jamais fait en moins de 3 heures. Ah ouais, putain. Je sais pas si on avait regardé. Non, on n'avait pas regardé ma vieille sauvegarde du premier quand j'avais fait Director's Cut. Mais j'avais. J'avais le lance-roquette illimité, les nouveaux costumes, enfin, les costumes secondaires, tout ça et tout. Et pareil avec celui-là. On regardera quand j'aurai fini. Je finis le scénario de Claire et puis après, on explorera ma vieille sauvegarde avec. La partie de Hunk, je crois que j'ai aussi débloqué Tofu, qui est la partie de Hunk, mais avec un énorme tofu où tu n'as qu'un couteau. C'est une horreur, c'est une horreur. In the midst of the T-virus outbreak in Raccoon City, Leon Kennedy succeeded in escaping from the city. Following his encounter with one of the only other survivors, a woman named Ada, qui est morte entre temps, seeking the deadly G virus. Dans l'épisode précédent, previously on The Walking Dead, Ada! Ah non, plus je de la revoir! Mais je me suis dit, ouais, scénario B, je crois qu'il y a tout qui est en train d'exploser quand. Circumstances of her brother's disappearance. Chris Redfield, a member of the STARS Alpha team. Only now, her mission has become quite simple. Basic survival within the nightmare that was once Raccoon City. En fait, pourquoi ce choix de scénario A, Léon et B, Claire? Bon, je sais pas, je les ai pris au pif, ouais, c'est pour ça, j'avais envie de commencer par Léon, c'est tout. C'est classique, en fait, j'ai l'impression que c'est le schéma classique, tout le monde commence par Léon et puis après tu fais la suite. Mais en fin de compte, quand tu fais Claire A et Léon B, c'est un peu... Parce qu'en fait, le second scénario, je trouve, est plus intense, la fin, c'est... C'est plus intense et c'est meilleur. I'm finally here. C'est vrai qu'il y a la scène du dîner avec Claire, hein, qui était assez sympa aussi. Ça change pas vraiment la fin, mais ça va changer des trucs parce que les scénarios sont pas les mêmes. Et ça change pas vraiment la fin. Non. Référence au premier. Are you listening?
C'est marrant parce que là, sa veste, elle est rose alors qu'en fait, elle est rouge, quoi. Ça fait vraiment la fille en rose et le mec garçon en bleu. Ah là là, cette scène. T'as un couteau. Pourquoi tu t'es pas servi de ton couteau, Greluche? Oui, c'est ça, c'est... Claire A, Léon B qui est canon, ouais, c'est ça. You're a cop, right? Yeah, first day on the job. Great, huh? Name's Leon Kennedy. Nice to meet you. Mine's Claire. Claire Redfield. I came to find my brother Chris. Hey, could you open the glove box? Sure. There's a gun inside. Better take it with you. Et en fonction de... Parce que là, vous allez voir dans les scénarios Léon A, Claire B, je me souviens que la différence, c'est que dans ces scénarios-là, la voiture, voilà, il fait un demi-tour. Et dans... quand on fait l'autre cas, Claire A, Léon B, la voiture se tourne pas, il va tout droit. Ça, je m'en souviens bien. Mais c'est les seules grosses différences de cinématique dont je me souviens. Je suis pas sûr que la fin soit différente. La fin est totalement différente. Ah ouais, je me souviens plus. Je me souviens tellement plus. Non, j'ai que j'en sais rien, t'es con. Putain, mais oui. Je lis la phrase, je lis pas ce qui c'est qui la poste. Je n'ai pas lu son auteur, effectivement. Faut que je fasse attention dès que je vois ton geek quelque part, mais faut que je sache. Quoi. Et elle peut crocheter, puisque c'était une femme dans Resident Evil. Les femmes sont des voleuses et les hommes sont des fumeurs. Marquer ton livre, faut dire c'est faux. Mais ne pleure pas, arrête donc chialer. Là, c'est la petite, oui, c'est la petite cabane par laquelle on peut rentrer. Ah, je me souviens pas de ça. Oh la vache. Je vais m'enfermer dans un truc, moi ça. Clé de la cabane. Putain, je me souviens pas du tout. On va essayer d'y aller droit. Oh là, c'est compliqué. La droiture est compliquée. Comment je me souviens plus du tout du scénario B, Claire? C'est vrai qu'on va avoir un petit inventaire en plus. Je prends ça quand même. C'était quoi ce bruit? C'est que je peux plus retourner en arrière, c'est ça, ouais. On va essayer de récupérer les réflexes. Mais je vais forcément m'en manger un, tôt ou tard. Oh putain. Attention. Eh merde. Ah, j'ai perdu. Faut recommencer depuis le début. Et c'est comme ça que l'hélicoptère va se retrouver emplafonné. Yeah.
C'est le marchand dans Link Faces Evil. Zelda CD. Si seulement Léon pouvait... Ah, c'est bientôt la rencontre avec Monsieur X. Je dis ça parce qu'il ressemble à un plombier moustache. Ah non, c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite, hein, Monsieur X. Rassurez-moi. Parce que moi, à chaque fois que je passe dans ce couloir, j'ai un trauma de ce couloir, mais c'est un truc de ouf, quoi. Y'a rien, si. Voilà, c'est ça que je voulais. Y'en a qu'un. Au revoir. Oh, putain. Oh bah c'est super sympa comme cadeau ça, merci beaucoup. Merci beaucoup une petite madame pour le sub offert. À Michel, enfin tout ça, pardon. J'ai failli révéler ta véritable identité, Michel. Merci beaucoup, une petite madame. Et bonsoir. Allez, je vais prendre les deux là aussi parce que je ne suis pas sûr de moi. Je me bourre l'inventaire. Presser la bite, oui. Oh là là, mais Léon a pas fait le ménage ou quoi? Ah, putain la valve! On va éteindre le feu. Bon, on fait le ménage parce que bon... Bien sa distance. Je suis presbyte. Non, je suis as. Tigmate. Myope, pardon. Je suis myope, mytope. Voilà, bon c'est bon, il n'y a plus personne. Eh bah putain, c'est un joli paillasson. C'est vrai qu'on peut passer derrière, mais il n'y a rien. Ah, je sais plus, c'est 36... Non, je sais plus. 360... merde, je sais plus. Non, c'est pas ça. Merde, je me souviens plus.
Il y en a un qui convulse. J'arrive où il y a un truc là sur la table. C'est quoi, c'est un ruban en crayon hein? Ah bah vas-y, fais péter. On va utiliser la valve. Je dirais. Comme ça, ce sera fait. Même si... J'ai de fortes suspicions que ce soit après avoir utilisé la valve que Monsieur X débarque. Je ne sais plus. Il n'y a plus rien, non. Je lui ai vidé le cul. Et là, oui, voilà. Alors, gros souci, parce que... Léon est censé l'éteindre, le feu. Incohérence scénario-scénarioïstique. À moins que le feu dans l'avion reprenne après. Donc c'est bien, ils essayent de faire des trucs scénarios qui se croisent machin, mais... Hein? C'est foiré là, c'est foiré. C'est bien foiré. C'est même la fête foraine tellement c'est foiré. Par contre, j'aimerais bien récupérer une malle, un de ces quatre, pour pouvoir... Et voilà, l'inventaire est plein. Léon qui fait pas le taf. Ah non, techniquement, là, c'est avant que Léon... Ah putain. C'est ce que je craignais. Je veux pas y aller, je veux pas y aller, je veux pas y aller. Oh, c'est sûrement rien. Putain. Et c'est ainsi que Claire meurt. Alors normalement, si tu le pètes, si tu lui détruis sa race, il te file des items et de ma boule, mais j'ai pas ce qu'il faut pour le... Ta-ta-ta, bonjour. Eh merde, laissez-moi passer, je déteste ce mob de con. Ah. Par contre, dans cette épaisseur, il ne te poursuit pas. Voilà, c'est, voilà. Il y a des endroits où il apparaît, mais sinon, après, il n'est plus là. Et ça fait plaisir. Par contre, dans le putain de remake, il se comporte exactement... Et ça, c'est un truc, du coup, c'est un gimmick qu'ils ont repris dans le... Dans le 3, né dans le Nemesis, où t'as voilà, un boogeyman comme ça qui te poursuit, mais sauf que bah, il peut te poursuivre loin et passer les portes, même s'il reste encore relativement scripté dans le 3 et qu'il n'est pas là tout le temps. Mais dans le remake du 2, une fois que lui il est arrivé dans le jeu, c'est fini quoi, tu peux plus être tranquille. C'est un stress en permanence. Ah, je l'ai vécu, mais vraiment comme une angoisse. Ça rendait le jeu génial, hein, mais wow, des fois tu restes planqué à un endroit, tu faut pas qu'il m'entende, faut pas que tu l'entends marcher au-dessus, marcher. Ah bonjour, c'est. Attendez, j'ai été pris de surprise. Alors en haut, il y a un liqueur, en bas, c'est gangbang. comment dire.
Si seulement j'avais le souvenir d'où se trouve le fusil à pompe. Par contre, dans le Nemesis du 3 original, ça n'a jamais marché sur moi. Je trouvais ces apparitions super répétitives. Ah, moi, ça me foutait bien la flip à l'époque. Hein. Après, ça dépend quand tu y as joué. Si tu y as joué plus tard, ou si même je sais qu'à l'époque, moi, je trouvais ça hyper angoissant. Mais beaucoup moins que Monsieur X dans le remake. Claire va passer une bonne soirée. On va passer une bonne soirée. Allez, on trace tout droit. Normalement, il est plus là, hein, monsieur. Il est plus là. On va essayer de se taper de liqueur. Ou alors, on peut passer la porte avant, peut-être. Je sais qu'il y a une porte. Il est plus là ? Parce que là, c'est la sauvegarde, c'est ça ? C'est la malle, ici, ou c'est la bibliothèque ? Je sais plus. C'est la balle. Youhou, bon, c'est bien, il n'y a plus de liqueur. Il y a des munitions, il y a tout ce qu'il faut. Parfait. On va se jeter sur les munitions. Comme un gros morphal. On va se débarrasser de ce putain de couteau qui prend de la place. Ah bah non, on va sauvegarder. Ah. Je commençais à ne plus... Et ça, c'est quoi? Journal du secrétaire. J'ai déplacé sans le vouloir une des statues du deuxième... Ah oui, c'est bon, on a déjà tout lu, du coup, ça. Le tableau de merde. Non, on va aller voir... On va aller sauvegarder, déjà. Si on peut rentrer tout de suite voir le commissaire ou s'il faut une clé. Ah, c'est merde, oui, d'accord. C'est là où il faut mettre les trucs. Là, il y a un machin. Ah, c'est la carte du hall. Bah, heureusement que je suis pas allé tout de suite dans le hall, parce que... Ah, putain, non! J'avais oublié ce détail. On va lever ce qui... Tout de suite. Alors, on en fera notre affaire plus tard. Putain, liqueurs d'entrée de jeu. Oh. Après, ça ne me dit pas comment je vais passer le passage. En... Bah, je peux passer par là, je suis con. Je suis débile. En détail avec de sacrées grilles. Oui. Une bonne liqueur et c'est reparti. Et les Morbac? Ah putain, oui, il y a les Morbac. Ah non, ils sont peut-être en bas plutôt. Allez, vas-y. Scénario B, nettement moins gentil. Ah oui, bah c'est...
que je disais tout à l'heure, le A, il te met un petit peu... Il te met bien, quoi. Il te laisse le temps de découvrir les environnements. Pour après, quand tu fais le B, bah... Tout de suite, il n'y a plus besoin de faire les présentations, quoi. Le truc, il prend, il te retourne, et puis... Il te crache même pas dans le trou, puis il y va, quoi. Ce genre de subtilité, quoi. Ouais, bah j'aurais été bien emmerdé si j'avais essayé de passer par la porte. En trou déjà le lance-grenade. Et puis il a les cartouches acides, c'est ça? Je vais remonter. Mais je t'entends, mais je te vois pas. T'es où? Ah! Ah bah tout le monde est là, d'accord, ok. Combien les gars? Ah c'est bon. Ah vous êtes plein? Ah il y a le truc à prendre. Il y a le médaillon, je crois. Il y a un médaillon à prendre, je crois, un truc comme ça. Ok. Ah ouais? Ah. ASMR zombie. Ah mais attendez, attendez. Ah bah tiens, ça se casse deux fois. Encore une incohérence. C'est exactement le même en plus, d'accord. Ça c'est logique que ça ait pas changé, mais bon. Mais qui a eu le temps de recacher quelque chose et de remettre l'énigme en place pour Léon? Est-ce que c'est Ada? Est-ce que c'est Wesker? C'est des points de l'aspect narratif du scénario, mais pour le coup, la partie narrative est super cohérente par contre, contrairement au remake où j'ai l'impression qu'ils ont abandonné durant la dernière moitié. Je me souviens plus. C'est Ada qui s'ennuie. Ouais, c'est moi, je me dis que c'est ça, quoi. Petit passe-partout. On y reviendra. Je voulais monter au deuxième.
Ouais, donc le scénario B, il commence bruit de décoffrage parce que t'as pas besoin de mise en jambe, de regarde le gameplay comment ça marche, regarde les énigmes comment ça marche, là ils te mettent directement, voilà quoi, ils ont pas besoin de te ménager quoi, de te prendre par la main pour te guider. Là y a rien, y a toujours rien. Donc là-bas c'est la salle de l'horloge. Ou dans le remake, je me suis longtemps planqué face à Monsieur X. Et ouais, c'est toujours pareil. J'ai pas la truc. Ok. Ah, mais ces ambiances sonores, hein, ça me rappelle tellement de trucs. J'ai vraiment les sensations de l'époque. De quand j'ai découvert le jeu et tout. Ouais. Et que j'étais fou. En mai 98, hein, donc. Hein, ah là là. L'été 98 a été exceptionnel. Entre mes premières clopes, mes premières bitures, Resident Evil 2, entre autres. Merde, c'était mal joué. Oh là là, tellement de zombies, si peu de munitions. Oh. Voilà. Oui, il y a madame la licorne. On va vite aller les mettre en droit. Lui, c'est pas grave si on le finit pas. Comment ça? Je vais la mettre avant Léon. Et après, Ada, elle va passer, elle va reprendre le médaillon, elle va le cacher. Elle va remettre la clé une fois que... Voilà, c'est pour ça. Oh, je viens de comprendre. Pourquoi, dans Resident Evil, quand on a ouvert toutes les portes avec une clé, ils nous proposent de l'acheter? C'est parce que derrière, il y a un personnage mystérieux qui vient récupérer toutes les clés pour les remettre à des endroits... Oh, ce serait tellement drôle de faire un sketch là-dessus. En mode, tu mets un personnage ultra mystérieux avec une capuche noire, tout ça, qui passe derrière les gens, qui récupère les clés, puis qui va refaire les énigmes et tout. Qui doit esquiver les zombies et tout. Puis qui râle parce qu'il est en mode, putain, je suis pas assez payé pour ça. Ils me font courir dans tous les sens. Ce serait drôle. Ok, non! Il y en a trop, il y en a définitivement de trop ici. J'ai pas ce qu'il faut et je veux pas gâcher toutes mes munitions. Déjà que j'ai gâché beaucoup de balles. Ah, mais attendez, on peut peut-être sortir. Il y a peut-être des trucs. Je sais qu'il y a une plante verte dehors, ça c'est sûr. Il y a Brad, mais je crois qu'il faut finir le jeu en moins de 3 heures pour le voir. Le cher Brad. Normalement, il est là. Bon, on va pas aller chercher la plante là-bas parce que ça, on va se faire grignoter par un zombax. Ah, si, ça y est. Youhou! Nous allons Combinax. J'ai l'inventaire qui est bourré.
Et ça va pas s'arranger parce que nous avons laissé la sacoche à Léon. C'était un choix de merde. Je tiens à le préciser, mais bon. En tous les cas, à ce stade du jeu, on n'aurait pas eu beaucoup de place dans l'inventaire. Oh merde, il y a des gens ici! Ah bah oui, puisqu'il y a le truc qui s'est ouvert. Je pensais pas qu'il y aurait des méchants dans la salle à la malle. Numéro de police. Nous souhaitons vous tenir informés de plusieurs changements qui ont eu lieu lors du réaménagement du commissariat. Le coffre dont la serrure possède 4 chiffres est passé. Ah oui! Et c'est 22-36. Putain, j'ai dit, j'ai fait quoi? J'ai fait 36-24. 22-36. Bah on va aller ouvrir ça. Mais avant. Il faut que je voulais voir ce qu'il y a dans le. Merde, ils sont deux. Putain de chiasse. Quel enfer. Bon, on va jouer avec le dernier parce que. Viens là. Est-ce que je mettrai pas des trucs dans la map, tiens, pendant qu'il vient me chercher et essayer de me bouffer le cul. On va mettre ces choses. Ah, il faut faire le début du jeu sans ramasser. D'accord, ok. Ah, c'est pas, faut pas finir le jeu, c'est faut le commencer et y aller à fond la caisse. C'est ça. Hein. Et il te file un. Ah merde, mais on s'en fout, putain. Winner, don't use drug. Et Brad, c'est Brad qui a la clé sur lui pour le vestiaire, c'est ça, dans la salle photo. Je crois que c'est ça, hein. Oh, je me souviens que c'était pas si galère que ça. J'aimais bien la tenue Léon casquette débardeur violet. Ça avec la Gatling, c'était le look assuré. Oui, parce qu'on peut avoir une Gatling à munitions illimitées dans le jeu. On verra ça avec ma sauvegarde. Je pense. Et il tenait son pistolet sur le côté. C'est vrai. Comme un kéké, quoi, mais. Comme un gangsta. Ah, c'est hacker, merde. J'ai piqué. 22-36. Toujours le même code, mais je l'avais oublié. C'était écoulé tellement de temps depuis la semaine dernière. Cartouche acide et un petit mémo. Ah, c'est la carte. Est-ce que c'est dans celui-là qu'on peut changer? Ah oui. Ça, c'est bien. Du coup, est-ce que je retente une percée police? Non, je vais peut-être prendre les grenades normales. Bah, j'ai les grenades normales. Allez, on y croit.
Ok. Merde. Oh, je pourrais l'esquiver lui aussi. Merde, il y en a encore un. On va laisser là la plante. Ah merde, je vois pas s'il est décédé. C'est bon, il est décédé. Bon, il n'y a pas des munitions là. Bon, encore une fois, j'y vais au pif, je me souviens plus. Hein. Une porte là? Non. Carreau. Il va y avoir l'autre trou de balle ici, putain. Je me souviens, dans la salle de, dans la salle des conférences de presse, il jaillit à travers un mur. Saloperie. Y'a rien. Tout ça pour une putain. Un miroir magique. Attends, y'a l'autre stèle. Il tenait son pistolet sur le côté et il le tenait à une main aussi, je crois. Léon, avec la tenue spéciale, il était comme ça, quoi. Il me semble. J'ai un vague souvenir, mais... Ah, j'aurais peut-être pas dû prendre ça, merde. Oh, Léon. Bah du coup je vais prendre la verte et on va combiner et puis voilà comme ça ce sera fait. Merde non c'est pas ça que je voulais faire, je voulais regarder la map, je sais, je suis pas allé où. Ah bah c'est là, d'accord ok. C'est là où je comptais aller. Très bien. Attends, c'est quoi, là? Bibliothèque... Ah, c'est là où les zombies bouffent. Je peux aller là, c'est vrai. Après, on descend. Il y a tout le couloir. Ouais. Ok. Mm-hmm.
Ah! Pardon. Excusez-moi. Comment ça? Ah ouais, elle shoot dedans, c'est vrai. C'est rigolo. Et un petit côté Yamete hein, quand même. Hein. Allez, go! Hop là! On est malin! Ah merde! Je l'ai pas eu! Oui! Une photocopieuse, putain! C'est énorme, un rapport de patrouille, on connaît déjà. Non, parce qu'elle prend les mêmes dossiers que Léon. Peut-être qu'elle fait des photocopies. Allez, pousse! Le zipper! Non, c'est pas le zipper, c'est le zippo, pardon. On va sortir de là en mode John McClane. Faisons des photocopies pendant les invasions zombies. Zombie secrétari, ça pourrait s'appeler le jeu. J'ai plus qu'une grenade. Ah putain non! Le pied! Je savais que t'allais me bouffer le pied, sa saloperie! Tant pis pour la plante. Non, je la prends. Ah, vite! Oui! Oui! Et là, on court! Bourrage de papier. Là, c'est le moment angoisse du film Secrétaire Zombie. Le passage bourrage de papier. Il est mort ? Déjà ? Oh, petit chat. Attention au tournant ! Putain, c'est toujours au tournant, hein, c'est ouf. Hein. Même quand on le sait, on se fait niquer. C'est bon, il y a personne. Parce que bon, voilà, ça commence à bien faire un peu. Alors, il y a toujours rien. Des canettes vides, mais c'est déjà pas mal. Rapport de mission, on a déjà vu. Toujours le même poster de Nichon. En fait, c'est Gérard, il a photocopié le poster de Nichon, il l'a mis partout, comme un gros troll, la veille de l'invasion zombie. En fait, c'était pour l'arrivée de Léon. Il s'est dit, ah, ouais, ils mettent des images de Nichon partout, et puis ça fera rire les collègues. Enfin, là, Ada, elle va avoir du mal, hein, parce qu'il va falloir qu'elle reproduise le tableau et qu'elle remette la gemme dedans. Je veux pas user toutes mes munitions
Ah putain, le couloir est très 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 petit. Là c'est mieux. Là c'est mieux, voilà. Ne pas faire de bruit. Non mais c'est pas... Ah, c'est porte, prendre la porte. Allez, oh merde. Non, je vais sortir, veilleur du monde. Ah chiasse. Ah putain, puis oui, puis il y a du monde là. Ouh là 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 là. Alors déjà on fait ça. Eh merde, elle était tournée, cette connasse. Bon, c'est pas grave. C'est chiant, tu vois pas où tu vises. Bon, faut que je vois les dégâts quand même que je fais. Voilà. Je suis désolé. On gage des munitions, c'est pas beau à voir. Mais je me sens démuni, moi. Sion. Ok. C'est bon? Parfait. Ou alors elle a fait des photocopies du tableau avant, oui. Mais c'est pareil, c'est, il faut le réencadrer, il faut remettre le... Il faut éteindre le feu aussi, c'est chiant. Elle doit faire ça dans un... Je sais pas si vous vous souvenez, mais... Ça va assez vite aussi du côté de Léon, hein, les joyaux, tout ça, c'est quasiment en même temps. Hein. Donc Ada... Elle a du boulot de ouf. Hein. Ok. On va mettre tout ça dans la malle, on pourra la récupérer de toute façon puisque la pièce est juste à côté d'une malle. Le briquet, normalement, j'en ai plus besoin avant un moment. Donc on est bien. Limite, on entend les pas de Léon dans la pièce à côté. Ouais, c'est clair. Enfin, techniquement, le Claire est un peu plus en avance. Dans le... Enfin, le scénario B se déroule un peu plus en avance. Vu que tu arrives plus vite dans le commissariat. Techniquement, en fait, la personne fait les choses avant. Je sais plus à quoi ça sert de développer les photos. Faut trouver toutes les pellicules et toutes les développer, mais je sais plus pourquoi. Je vais peut-être sauvegarder. Ouais, je vais sauvegarder, ouais. Sauvegardons. C'était quand même un bout de chemin. Merde. Il y a la pièce du bas. Avant d'arriver au bureau. Parce qu'on va arriver au bureau des Stars et on va rencontrer Léon là. Mais il y a. Ah, mais j'ai pas la clé. Faut la clé, c'est quoi ces carreaux là? Donc de toute façon, je veux pas y aller. Ok. Très bien. Let's go. Let's go la suite. Let's go la rencontre avec Léon dans le commissariat. Let's go, il y a des morbacs ici aussi. Tu... Non, c'est bon. Ah putain. Ah putain. Ah ça me rend fou. Moi, j'imagine à quel point ça doit pas être jouable pour les gens de maintenant qui sont nés dans les années 2000, ce genre de truc. En fait, Anonymous, les zombies, c'est les fonctionnaires sous-payés en burn-out. Non, ils ont pas de casserole. En même temps, c'est pas plus mal parce qu'ils auraient leur casserole sur la tête, tu pourrais pas les buter.
Tout de suite qu'on sait pas jouer. Mais non, c'est pas ce que j'ai dit. Arrête de faire semblant de prendre tout mal pour me troller. Je me dis que par rapport au gameplay ultra léché qu'on a maintenant en général dans la plupart des jeux vidéo, des trucs vachement rigides comme ça, moi j'essaie de me mettre à la place des gens qui n'ont pas grandi avec les anciens jeux vidéo qui étaient tout rugueux. Ah, je me dis que ça doit pas être très agréable à découvrir. Dans le remake, il y en a un avec un gilet jaune, ça m'a fait bizarre. Ah ouais ? Je me souviens pas. Ah bah dis donc, j'ai des joyaux, ça t'intéresse ? Tu étais en train de me branler sur le bureau de ton frère. Bonsoir Shodan. Alors Resident Evil, ça existe déjà, c'est une parodie audio de Durandal. Journal de Chris. Ah, on l'a pas lu ça. Oui, tout. J'ai encore parlé au capitaine aujourd'hui. Il ne veut toujours pas m'écouter. Je suis certain que la société Umbrella a effectué des recherches sur le virus. Ah, bah si, bah. On l'avait lu avec Léon. Ouais, c'est ça. Si, on l'avait lu, je crois. Ouais. No reason for us to stay any longer than necessary. Let's split up, look for any survivors, and get out of here. Right. One last thing. Here's a radio. Take it. Mais on s'en sert pas du tout. On s'en sert tellement pas. That way we can keep in touch if anything. Ou alors j'ai loupé des trucs, hein. Ah bah tiens, Léon, t'as pas vu la clé, elle était juste là. Lui, il va galérer pour trouver la clé pendant 3000 ans, alors qu'elle était juste là. Et moi, je vais l'acheter quand j'en aurai plus besoin. En fait, techniquement, il pourrait trouver les clés par terre, hein. Y'a rien! Je croyais qu'il y avait des trucs genre derrière et tout. On a déjà vu la photo. Non, t'as mal lu, c'est tireur de litre. Chez Rebecca. Ah d'accord, on peut pas avoir accès au... Il me semblait qu'il y avait un truc avec avec le shotgun. Ah non, c'est vrai, elle c'est l'arbalète. Ah oui, non. Ah, c'est aussi pour ça que j'aimais pas Claire, elle avait des armes nulles. Ah tiens, vous voyez les enfants, c'est un fax. Vous croyez que c'est une imprimante, mais non, c'est un fax. Ça vient pas de l'ordinateur en local, ni d'internet. Ça vient... un autre fax. Police fédérale, rapport d'enquête interne. Elle t'appelle une fois à la fin du jeu, je crois. Ah, peut-être, ouais. Geriatric Park. Geriatric Park, ça me fait penser à une blague du Festival Robles dans les années 90, je crois. Il me semble, je suis pas sûr. Vas-y, tu sais, c'est quoi un fax? Rigole pas, en 2014, j'ai commencé à bosser en informatique, j'ai dû configurer un paquet... Ah ouais? En 2014? Putain. Laurie Barbalette qui tire dans trois directions son sous-shootgun abandonné pour... Ah non, mais c'est... Ouais.
Oui, puis dans Code Veronica, on la retrouve aussi. Ouais, c'est une horreur. Alors, Monsieur Chris Redfield, police de Raccoon, division des Stars. Suite à votre demande, nous avons effectué une enquête interne et nous avons pu découvrir les éléments suivants. Concernant le virus gay en cours de fabrication par la société Umbrella, nous avons pu prouver l'existence d'un tel virus. L'enquête se poursuit. C'est très bref. Concernant Monsieur Brian Hiron, responsable de la police de Raccoon, Monsieur Hiron a de toute évidence reçu de multiples pots de vin de la société Umbrella depuis 5 ans. Il semble qu'il ait réussi à étouffer l'affaire du manoir qui servait de laboratoire, un des nombreux incidents où Umbrella est directement impliqué. Oui, bon, on s'en souvient. Hein. Lorsqu'il était étudiant... Ah, c'est parti, le lore. Monsieur Hiron, excusez-moi, je pète, a, à part deux fois, été arrêté sur présomption de viol. Ah, j'ai oublié que c'était un énorme pointeur, c'est vrai. Il a passé des tests psychiatriques dans chaque affaire. Il a réussi à bénéficier de non-lieux pour vice de forme. Et non, pas forme de vice. Parce... Par ailleurs, ses excellents résultats à l'universitaire... Non, c'est très accurate, hein, c'est encore comme ça se passe. Hein. Sans doute favorable à influencer les juges. Voilà, c'est un peu comme Darmanin, tous ces gens-là, quoi. C'est Darmanin, le chef Hironde, c'est Darmanin. Nous recommandons donc plus grande prudence dans les rapports avec cet individu. Jacques Hamilton, police fédérale, responsable des enquêtes internes. Attention, c'est un violeur. Ouais, beaucoup de prestataires fonctionnaient qu'avec des fax. Ah ! Ah, c'est là qu'on rencontre la petite. Non. Couché, j'ai dit. Bien, gentil zombie. Freeze! C'est tout pourri! Oh, finalement, ça a bien marché, en fait. Alors, ça mangeait quoi au milieu, là? C'est lui là qui convulse. Ah, attendez, il y avait pas. Vous pouvez pas prendre un truc là? Ah non. J'ai cru. Ils iront se faire foutre. J'en suis où? En haut, non. Voilà. Hey, Yami, t'es passé où, putain? Ah, putain, mais les trucs ne marchent toujours pas. Faut que je rafraîchisse à chaque fois. Attendez. Attendez. On va rafraîchir. Refresh. Normalement là ça devrait marcher. Attendez, j'essaye. Merde, je peux pas. Ah. Normalement ça... Putain, ça va être chiant s'il faut que je rafraîchisse à chaque fois. Attendez, je peux pas.
Excusez-moi. J'étais parti, je... Let's go. Je sais plus où on va la chercher, la gamine. De toute façon, j'ai fait... Ah non, attends, j'ai la nouvelle clé. J'ai la clé... J'ai la clé carreau. C'est vrai, j'ai la clé carreau, merde. Regardez cette jolie clé carreau. C'est-à-dire que du coup... On peut aller... On peut aller en bas. Quel bordel. C'est quoi cet endroit? Ah oui, c'est... Ah oui, oui, oui. C'est là où il y a la deuxième stèle, d'accord. Et la porte là-bas, c'est derrière le truc de photo. Mais du coup, chérie... Ah bah j'ai les deux. Moi je peux les mettre les deux. On va les mettre les deux. Tout en esquivant le petit inter. Ou en le butant. On a vu le Bacnimus Sword. Mais non. Vous avez rien vu normalement. Attendez, quoi? Ben normalement, quand je suis allé là... Normalement, c'est tout noir quand je fais ça. Juste le nerf. Ah, d'accord, ok. Bah oui. Allez. T'es reparti ou t'es toujours là? Toujours là, le petit Gugus. Ah, j'ai loupé. Oh, je suis débile. Ton gros joyal entre tes gros seins. Quand il stream pas, il n'existe plus. Il disparaît dans les méandres d'Internet. Et c'est ça, je suis un être éthéré qui ne vit que pour ceux qui me regardent. Un peu comme Slenderman. Ah, c'est vrai qu'il y a des morceaux de pierre parce que c'est pas assez long sinon. Ah super, j'adore. Ça pouvait pas être des munitions, il n'y a rien dedans. Bah, non. Je suis une IA, tout à fait. Ah, j'ai mal au cul. Non. Allons ouvrir les portes, hein, casser des culs. Je la prends dans quel sens? Touk touk touk. Je suis pas allé dans cette... Mais c'est quoi cette salle? Attendez. Je sors le couloir. Ça. C'est le couloir où il y avait Monsieur X. Ah bah oui. Je peux plus redescendre par là. Merde. Bon, c'est pas grave, on va redescendre de toute façon.
Je sauvegarde ou quoi? Ouais, allez, petite sauvegarde, allez hop. Ça mange pas de pain. Oula. Pavé de Michel, attends, je vais te lire deux secondes. Techniquement, ce n'est pas faux. Attends. Quand tu streams, pas tu n'es plus Monsieur Nimous, mais Monsieur X. Quand tu streams, tu n'es plus Monsieur X, mais Monsieur Nimous. Tu me fais moins la balle à la tête que Slenderman. Mais depuis que je te connais, je me méfie de mes popoles. Qui dit qu'après le stream il est encore monsieur. Tout à fait. Alors on va aller chercher la stèle. Enfin, au moins le truc qui brillait dans l'aile est. Et après nous retournerons dans cette aile ouest des enfers. Je connais quelqu'un qui se fait manger ses cheveux par un popole, merde. Attention tes cheveux, ouais, ils ont déjà été mangés un peu en partie. Mais alors attends, parce que... Ah oui, il faut quand même la clé verte. Ouais. J'ai rien dit. Ah non, merde, c'est un mur. Il va quand même y avoir le liqueur de merde ou pas? Parce que je l'ai tué normalement. Putain, je me souviens pas de ces stèles. Ah, c'est bon. Je sachais comme par hasard. Ah, je... Pète. On va peut-être pas retourner par là, on va retourner par en haut. Hein. C'est plus safe, je pense. Parce que j'ai bien nettoyé en haut, mais dans les couloirs d'en bas, il y a encore quelques petites taches récalcitrantes. J'en reviens pas. On est dans un commissariat de police rempli de bouffe et il n'y a pas une bite sur les tableaux de dessiner à la craie. C'est un peu honteux quand même. Oh, virage pris trop tôt. Merde. Ah, putain, je commence à... Fatigué. Encore un petit quart d'heure. Et je vais m'effondrer. Merde, c'est un mur. Nul bits berbouillés sur les murs. Peut-être ces policiers étaient-ils trop mûrs. Maintenant, depuis qu'ils sont devenus zombies, ils sont quelque peu passés en fruits pourris. Ils ont quelque peu tourné en fruits pourris. Oui, oui, c'est vrai, c'est pas... C'est bien, c'est pas mal. Mais je les voyais pas sur les murs, mais sur les tableaux, tu sais, des tableaux. Où t'écris les trucs, les tâches quotidiennes, tout ça et tout. Bah là, normalement, dès qu'il y a un tableau avec des craies, il y a quelqu'un qui fait une bite dans un coin, quoi. C'est... Enfin, je sais pas, c'est le béaba, quoi. Ça fait partie des règles du savoir-vivre. Les règles de base, quoi.
Quoi, le hacker de l'appli se vante? De quelle appli? De quoi tu parles? Quand même, d'avoir piraté un hôpital depuis le parking de ce même hôpital, peut-être un petit peu Paul qui se donne un genre. Mais de quoi tu parles? Je ne sais point de quoi tu parles. Je vais aller mettre la stèle à l'abri dans ma malle magique. Pour pouvoir ramasser des choses. Puis on va acheter la clé par la même occasion, ça va être cool. Fait de la place, on fait de la place. Ah, je vais vite. Ah. C'est ça de s'enfiler une demi-bouteille de champagne l'après-midi. Ça tabasse un peu. Ah, y'a personne. Y'a personne. Ah, putain. Attendez, parce que il faut que je... Ce côté-là. Non, y'a rien, sérieux? Vraiment rien? Ah. Une pellicule à développer. Il semble qu'il y en a trois des pellicules, non? Ah, putain. Pour 36, ça fait beaucoup. Oui. Ah, on va repartir, parce que... putain, du C4, je me souviens pas de tout ça. Hein. En plus qu'un des détonateurs, il faudra bloquer le mur par l'hélicoptère. Ah oui, c'est pour arriver... pour aller voir le commissaire. Le moulin. À mon boulot, troisième centre mondial contre le cancer, il y a des bites dans tous les ascenseurs. Nous nous verrons plus. Bah oui, c'est ce que je dis. C'est... Voilà, c'est une règle absolue, quoi. Je suis sûr que même dans les ministères, il y a des bites. Hein. Gravées sous les bureaux ou dans les tiroirs ou... Sûr. Ah merde, il faut d'abord... Attendez, non. D'abord que je développe la photo. Développer la photo. Ah non, c'est pas là, putain. Je suis pas sur le bon truc. C'est ici. Ah putain, mais c'est où que ça trigger? C'était bien là. Oh, film B. Abaca. Ici, devant Haruka, le patient a mis 2 heures à atteindre le stade de zombie. Le sujet se plaignait constamment de démangeaisons épidermiques et d'un sentiment aigu de nausée. Ses troubles ont disparu lorsqu'il a perdu connaissance. Ben Bertolucci. Attends, tu dis quoi? L'app de rencontre où je suis en ce moment, je voulais m'inspirer de profil pour faire le mien. Et je suis tombé sur cette personne non binaire et je trouvais un peu con d'afficher un potentiel méfait. Ah d'accord. C'est vraiment quelqu'un qui a commis un hack et qui s'en vante alors. Attendez, elles sont bleues. Est-ce que c'est des flèches normales? D'accord. Et normalement, je peux tout combiner dedans, je crois. Ah non, que 18, merde. Bon, je vais avoir besoin de munitions parce que de toute façon, je vais devoir affronter le trou de balle en chef. J'aurais dû sauvegarder là, mais bon. J'ai sauvegardé juste avant. Donc. Et affiche en métier hacker. Ah! Ah, mais c'est parce qu'il a 13 ans. Ou 15, mais c'est pour ça, non? En vrai. Je dessine des zizi dans un logiciel gratuit, ce n'est pas sage de faire ces images, mais je m'en fous, j'en dessine partout. Et tu es d'ambiance poète, cher Michel. Attendez. Ah putain, il a croqué deux morceaux quoi.
je me souviens pas que c'était aussi, aussi basé là, l'arbalète. Non, non, derrière toi là. Qu'est-ce que tu fais, Janine? Mais elle les tire par trois, on est d'accord. Attends, là j'en ai 9. Ouais. Il est là le problème, madame. C'est peut-être puissant, mais. Non, il te fait plus, quoi. Il a 26. Ah, d'accord. Ah, putain. Ah, bienvenue, Léon. Il y a des nichons. Ah, est-ce que je prends l'herbe? Ça, c'est le détonateur. Oui! Je sais qu'à un moment, on rencontre Monsieur X ici. Alors? Ah. Exactement, je suis poète. Ah non. Je vais faire un truc avant. Je vais regarder. Ah bah non, je crois que c'était verrouillé, mais non, c'est pas verrouillé. Donc du coup, je peux revenir en arrière, ça ira plus vite. Pour choper le détonateur, je passe par en haut. On va faire comme ça. Oh mais non, ça allait plus vite. Je suis débile. Ça allait plus vite de passer par le milieu. Oh là là. Il semblait qu'on le voyait ici, Monsieur X aussi, mais... Voilà. Je me disais bien qu'elle était verrouillée. Comme ça, l'un des verrouilles, c'est bien. Ça fait un accès rapide. Il fallait que je sorte quelque part des choses comme ça que j'arrive pas à garder pour moi, d'accord. Il n'y a tellement rien que le moindre truc faut que je le dise. Je trie mes propres passés pensant ça et s'il fallait que ça sorte. Ça a l'air compliqué ce qui se passe. Hein. Ça a l'air compliqué. On va tout faire péter. Là pourquoi? Bah oui, bah... Ah, faut que je me mette là, putain. L'angle de caméra n'était pas le bon. Attention, première digression avec le scénario A. Avec le scénario de Léon, du coup, parce que c'est, qu'on le fasse en A ou en B, Claire, elle voit aussi ça, bien évidemment. Bah. Ah, si. Alors attendez, parce que. C'est comme ça, vu comme ça, c'est glauque. Mais je vais essayer de voir si. Ah non, on peut pas aller. Hein. Faut oublier qu'à un moment que je passe par là. Attendez. Ah merde. Je pensais que je pouvais ne pas le trigger. Oh, I'm terribly sorry.
I thought you were another one of those zombies. Et il y a des portraits de Biff Tannen au-dessus, je sais pas si vous voyez. De Bufford Molos Tannen. Are you Chief Irons? Yes. Are you le violeur? And just who are you? No, don't bother telling me. It makes no difference. You'll end up just like all the others. That's the mayor's daughter. I was told to look after her, but I failed. Mais j'ai glissé. J'ai glissé. Just look at her. She was a true beauty. Her skin nothing short of perfection. But it will soon putrefy and she will turn into a zombie within the hour, like all the others. There must be some way to stop it. In a manner of speaking, there is. Either by putting a bullet through her brain, or by decapitating her completely. Ah oui, c'est vrai que c'est pas dans le remake, ça. Je me souviens que j'avais été déçu. Please. I'd really like to be alone now. Attends, mais si il est dans le remake, le chef Harry. Je sais qu'il y a des trucs qui sont pas dans le remake, mais ça y est, non? Il y a un très riche violeur en Angleterre qui a réussi à s'en sortir sans problème en disant juste j'ai glissé, je suis tombé dessus. Sérieux? Please, I'd really like to be alone now. Ouais, on sait ce que tu veux faire. C'est dégueulasse. Ah mais je veux dire, c'est sous-entendu quoi, c'est pas montré, donc je vois pas en quoi... Puis c'est dans une œuvre de fiction, c'est pas quelque chose de réel avec lequel, auquel tu participes quoi. Ah. Journal numéro 2 du secrétaire. Le capitaine a fait irruption dans le bureau au moment où je rangeais ses affaires. Il avait l'air furieux. Je travaille ici depuis 2 mois seulement, mais je connais cette expression. La dernière fois, c'était lorsque j'avais failli renverser la statue. Cette fois, il était violent et j'ai vraiment cru qu'il allait me frapper. J'ai enfin réussi à découvrir le secret du capitaine. Et s'il sait que je sais, je ne vivrai pas longtemps. Il est déjà tard. Je vais devoir y aller progressivement. Et je sais qu'elle est cachée là, mais je voulais voir si on pouvait là. Wait. Let me go. Easy, easy there. I'm not a zombie. You're safe now. My name's Claire. What's yours? Sherry. Do you know where your parents are? They both work at the Umbrella Chemical Plant, near the city limits. The chemical plant? Then what are you doing here? My mom called and told me to go to the police station because it was too dangerous to stay at home. From the look of things, I'd say she was probably right. But it's dangerous here as well. You'd better come with me. But there's something out there. I don't know what it is, but I saw it. Much larger than any of those zombies. And it's coming after me. What was that? Sherry, où t'es encore? C'est papa! Sherry, wait! Ouais, c'est ton père quand il rentre bourré du boulot. Sherry! Sherry Birkin qu'on ne reverra pas avant Resident Evil 6. Ah super.
faire équipe avec un autre personnage inédit. Mais elle est au courant, la gamine, qu'elle traîne à côté d'un pervers violeur nécrophile, là, parce que... Chérie s'en sort mieux que Rebecca. C'est vrai. Chief? Ah oui, non, le message de Renrius, effectivement, il y avait un mot, voilà... Après, c'est compliqué ça devient compliqué de dire les choses. si on peut plus les nommer pour les dénoncer, ça devient un problème, je suis d'accord. Mais... Journal du capitaine. Tout est fichu, ces chiens d'Umbrella sont allés jusqu'au bout. Ils devaient épargner ma ville, tu parles. Bientôt, il n'y aura plus que des zombies dans les rues, c'est normal quoi. Je me demande si je ne suis pas infecté moi aussi. J'abattrai moi-même ces ordures si c'est le cas. Mon plan pour créer la panique chez les flics a marché à la perfection. J'ai fait en sorte que personne de l'extérieur ne vienne nous aider. Je suis maintenant certain que, vu comment la police cafouille, nul ne sortira vivant de ma ville. Je me suis aussi assuré que tous les moyens pour sortir du commissariat, j'ai bien dit, soient bloqués. Il y a encore des survivants qui essayent de filer dans les niveaux inférieurs, mais je veillerai à ce qu'ils ne s'échappent pas. 26 septembre, j'ai changé d'avis pour les survivants du commissariat. J'ai décidé de les traquer moi-même. J'ai fait exploser le cœur de Ed. Et il y a moins d'une heure, l'expression sur son visage lorsqu'il s'est effondré dans une mare de son propre sang, ça me donnait des frissons de plaisir. Oui, c'est vis-à-vis de Twitch, on sait bien que tu pensais pas mal, Henri, s'il n'y a pas de souci. C'est juste la censure automatique de Twitch, hein. C'est les algos qui donc à ses couilles. Voilà. Il m'a regardé jusqu'à ce que ses yeux deviennent tout vitreux, c'était splendide. Je me demande si la fille du maire est toujours en vie. Je l'ai laissé filer pour avoir le plaisir de la pourchasser plus tard. Je vais bien m'amuser avec son cadavre, congelé pour l'éternité dans la position que j'aurais choisi de lui donner. Youhou! Il y a un bouton sur le tableau. Et oui. Ça alors? Oh, tu es raide là, mon gars! Wow. Bonsoir, Samuel Vimer! Merci pour le raid! Comment allez-vous? On est sur le point de se quitter en plus. Je vais juste mettre les deux, trois, les. Deux trucs là. Oui, j'ai la possibilité de refuser d'accepter, effectivement, mais je choisis que ça reste toujours censuré. Parce que je préfère pas m'attirer les foudres de Twitch. Bonsoir, salopette noire. Bonsoir. Je sais pas si mon raid a faussé. Si, il a très bien fonctionné. Merci beaucoup. Et bienvenue. Je suis en train de m'éteindre petit à petit. Et je vais aller vers le lit. Je termine un deux petits trucs. Après, je sauvegarde. Et je m'arrête là ce soir. Mais c'est très bien. Merci beaucoup. N'hésitez pas à me prendre un burger, des saucisses, un coca, puis une salade, des tomates. Installez-vous. Ah bah oui, hein, c'est 23h. Hein. Il y a le boulot demain, tout ça. Encore une fois. Mais bon, ne vous inquiétez pas, on aura l'occasion de se revoir, puisque je restream vendredi soir. Et que c'est les lundis soirs aussi, et les mercredis soirs aussi. Donc il n'y a pas de... souci, il pourrait revenir quand vous voulez. Voilà, comme ça c'est fait. Il n'y a plus que la moitié du bleu à trouver. Et puis c'est bon. Et puis c'est tout. Ah merde, je suis... Ah putain, de fauteuil qui me coince. Ah, j'avais pas vu venir celle-là.
me faire réchauffer. Ah bah, bonne pizza, c'est bien. Parce que ici, quand on va manger, ou quand on a mangé, il faut la régler qu'il faut dire quoi. Ah, putain de mur. Le stream que le mercredi et le dimanche. D'accord, d'accord. Et tu streams quoi, du coup? Des jeux vidéo ou tu fais autre chose? On reprend la clé, c'est important de... Merde, non. Hop là, comme ça. Que je n'oublie pas que j'ai la clé, car... Oh. Bah, j'ai rien mangé, putain, bah mange. T'es mort.